C'est la Mad Paggy. Bonjour les filles et bonjour les gars. Nous voici en direct d'une nouvelle vidéo en Malaisie. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Cameron Island et plus précisément dans le village de Tanarata. Je vais vous faire un petit tour de la ville avant de pouvoir rejoindre mon bus pour l'île Penang. Et je vais totalement changer de décor parce que là-bas c'est une île, c'est très proche de plusieurs petites îles. On va les découvrir tout ça ensemble. Il y a une faune et une flore très développées, donc ça va être sympa de pouvoir voir un petit peu de paysages différents et des animaux différents. Ces deux villes sont réputées ici pour leur bon thé ainsi que leurs fraises. Il y a énormément de plantations de thé et il y a beaucoup de cultures de fraises sous serre. Je vous offre un plan de vue en hauteur. Dodo, le nini. En Malaisie, vous avez un code des piétons. Vous voyez, les trottoirs sont composés d'une ligne centrale et de deux sur les côtés pour pouvoir marcher dans les deux sens sans se bousculer. On peut déjà voir les îles adjacentes à celles où je vais aller. Je suis dans les rues de Penang, toute la longueur en fait, où je peux voir des bars, des restos, des fast-foods, ce genre de choses. Sur l'île de Penang et je suis vraiment à l'entrée très proche justement de ce grand pont. Je vais rester normalement 3 jours dans cet hôtel et sachez que je viens d'avoir une excellente surprise. Voilà, j'ai une salle de musculation à disposition pour moi toute seule. Il n'y a quasiment personne et vous devez sûrement voir aussi derrière, je vais aller vous faire le tour aussi. J'ai une piscine. Je pense que je vais bien me régaler et je vais surtout en profiter pour vous faire des vidéos de sport. Je suis venue m'entraîner directement et puis là j'ai tout récupéré. Je vous montre la salle, je vais aller faire un petit tour chercher à manger et ensuite je vous montrerai la chambre. Allons-y! Et regardez-moi cette vue de la salle de sport. Bon, du coup, sachez à quoi vous attendre hein. Pour 15 € en Malaisie, vous êtes quand même bien si je dois dire. J'ai piscine à débordement devant les petites machines à cardio. On ira profiter de la piscine bientôt. Je vous fais maintenant un petit tour du propriétaire. Je ne pouvais pas espérer mieux, surtout pour le prix. Donc je suis très contente. Et la salle de sport, j'ai l'accès de 6h à 10h du soir. Je vais dans un supermarché qui se situe environ à 10 minutes de la maison. J'ai checké sur Mappy, me chercher de la nourriture à cuisiner moi-même. Comme je suis dans une grande ville, ici, les supermarchés ferment tard. En tout cas, celui-ci, ça doit être un grand supermarché. Voilà, il ferme à 23h. Alors là, regardez-moi ça, j'ai trouvé ma source de protéines. J'ai de quoi faire, il y a plein d'œufs. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Les 30 œufs sont à 13 RM, ce qui correspond à 4 €. En bonus en plus, je me suis trouvé de l'huile d'olive et pour pas cher. Parce qu'en Asie, c'est pas très facile de trouver de l'huile d'olive. Et là, j'en ai eu pour 1,50 € la bouteille d'huile d'olive, 250 ml. C'est cool. J'ai trouvé le thé de Cameron Valley pour vraiment pas cher. C'est là où j'étais tout à l'heure. Je suis rentrée de mes courses. Il est maintenant temps de vous faire visiter le superbe appart. Regardez-moi ça. C'est juste immense. Petite cuisine, hein, rien que ça. Donc il y a tout ce qu'il faut, plaque, chauffante, bouilloire. Et une petite course que j'ai déjà posée parce que pour l'instant je suis seule. Petite patate douce, mon huile d'olive, du thé, de l'eau. Je vais vous montrer mes courses tant que j'y suis. On ouvre le frigo.
Des poissons, des œufs, des végétaux et des fruits. Allez, on continue le tour. Oh, du bureau, ça va être cool pour m'installer, pour faire les montages. Quoique, je vais peut-être m'installer dans le canapé. Donc voilà, c'est très spacieux. D'ailleurs, j'ai pas besoin de tout cet espace. Mais sincèrement, pour le prix, c'est génial. Ça peut être 4 ou 4 couples ou 4 personnes. En tout cas, il y a 4 chambres disponibles. Et sans oublier la chambre. Hop. Voilà ma chambre. Voilà, vous avez un petit peu vu les lieux. Et ce que vous pouvez avoir ici pour 15 euros la nuit, vous avez vu, c'est à peine plus cher que mon budget habituel. Pour 3 jours, ça me fait ajouter par nuit 3 euros par rapport à d'habitude. Sincèrement, ça va ? Petite parenthèse avant de vous laisser. Demain, je ne vais pas vous tourner une journée vlog traditionnelle. Je vais vous faire un workout dans la salle de musculation qu'il y a là-haut. Je vais pouvoir un petit peu m'entraîner comme il faut et puis vous montrer comment faire, vous apporter des astuces, tout ça. C'est ici du coup que je vais vous laisser. Je vais aller cuisiner à manger, je vais me mettre sur le montage vidéo et puis je vais essayer de dormir comme il faut. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à tous, c'est la Matingale. Salut! Et si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gros j'aime.